Salut, c'est Bibi sur le deuxième DLC d'Immortals Phoenix Rising, le mythe de l'Empire Céleste. Dans le DLC mythe de l'Empire Céleste, il y a des défis mythiques. Voici la solution pour celui qui est tout au nord de l'île de Pengley, au niveau de l'arbre Jianmu. C'est un défi de Baga, où il faut reconstituer un dessin avec des orbes. Ce n'est pas sans rappeler le défi de Constellation dans le jeu de base. On voit qu'il y a 4 orbes de disponibles, il faut en trouver 3. Voici leurs emplacements et comment les débloquer. Le premier orbe se trouve à l'étage, il faudra défoncer des corruptions, des cristaux rouges pour pouvoir avoir accès à 4 cibles qu'il faudra activer dans le bon ordre. Quand on débloque les cibles, on voit qu'il y a des petits carrés juste à côté. 1, 2, 3, 4. Donc là, il paraît évident qu'il faut faire ça dans cet ordre-là. Et une fois que c'est fait, voilà, il ne reste plus qu'à ramener l'orbe à l'étage du dessous. Pour le deuxième, il y a 2 interrupteurs sur lesquels il faut placer des poids. On voit qu'il y a un petit cube qui peut changer de forme selon qu'on tape dessus ou pas, et des pierres juste au-dessus. Et si on n'utilise pas à bon escient le cube en métal, eh bien le gros caillou se brise complètement et il est inutilisable, pardon. Donc on va utiliser le cube pour bloquer la chute du rocher pour pouvoir le récupérer et activer les 2 interrupteurs. Et ainsi, on débloque le deuxième orbe. Pour le troisième orbe, c'est un peu plus laborieux, on voit pas grand-chose, il y a des cubes en métal à manipuler, ainsi que l'orbe. Il faut se frayer un chemin. Alors il est indispensable de placer l'orbe dans son réceptacle, dans ce petit labyrinthe à la con, pour désactiver une barrière et isoler un cube qui nous aurait sinon embêté. Et après avoir fait ça, eh bien, il faut un petit peu bricoler pour pouvoir placer l'orbe de telle sorte qu'on puisse le récupérer sans que le deuxième cube en métal nous embête. Voilà, c'est un petit peu du bricolage, mais on finit par le retirer. Et maintenant, on dispose de tous les orbes et on peut compléter ce défi et récupérer les récompenses, à savoir 4 pièces de jade. Voilà, j'espère que ce guide vous aura aidé. Je vous souhaite un bon jeu et à bientôt. Ciao!
trigramme de Goa représente la paix à l'intérieur.